une caisse de fromage qui sentait bon, puis on allait se promener là-dedans, alors qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Il y a une vingtaine d'années, on était plusieurs et quelques cousins et deux, trois copains du village et on campait tout l'été dans l'herbe autour de la fromagerie. Quand j'étais étudiante à Bordeaux, avec mes copines, on rentrait de soirée. Et alors là, l'ortolan, il me cassait la figure en 5 minutes top chrono. Les instants enfants où je tournais autour et c'était plus un terrain de jeu qu'une entreprise pour moi. Mon souvenir d'enfance, c'est les tournées de lait derrière le camion. Participer donc au moulage du beurre, aller avec mon père en ramasser le lait en tournée. Et puis, dès l'instant où on a eu l'âge de travailler, on participait donc à la fabrication. J'arrivais ici, il y avait deux ouvriers. Puis moi, j'allais tous les jours emballer les fromages, tout le temps. On jouait aux patins à roulettes avec mes cousines. Dans les couloirs des Halois. Avec le roucoulon. Roucoulon en amour, c'est si bon. Je l'ai vécu, je l'ai dit, je l'ai envoyé à l'autre bout de la planète. À Tokyo, j'ai eu vraiment une très très grande joie.